groupe a commencé en 2009. Un squelette d'atelier, de pratique pour plutôt les jeunes, et autour duquel on met en place un écosystème hip-hop à base de rencontres, de concerts, de films, enfin voilà, tout ce qui peut donner à montrer les différentes facettes de la culture hip-hop. En fait, le hip-hop, c'est avant tout et d'abord des valeurs, un ensemble de valeurs, d'efforts, de partage, d'échanges, de dialogue intergénérationnel, parce que pour le coup, le hip-hop, c'est vraiment un endroit où on va voir les générations se croiser, se rencontrer, discuter. Et donc nous, on est juste là pour accompagner ça. L'intérêt, si tu veux, c'est de les mélanger. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture de chaque côté, que les enfants ne viennent pas tous du même quartier, du même milieu social, mais voilà, viennent de quartiers différents, d'endroits différents dans la ville, et puis s'ouvrir, en fait, tout simplement. Ce qu'on leur propose indirectement, c'est de l'ouverture. Alors, pour cette année, on a eu 3 ateliers de pratique avec plutôt des adolescents, on va dire entre 12 et 17 ans. Premier atelier avec Gersal, qui est un atelier de percussion corporelle, donc l'art de faire du rythme avec son corps, couplé avec un atelier d'écriture. Un deuxième atelier de beatbox, human beatbox, donc l'art de faire du rythme avec sa bouche. Troisième atelier qu'on a appelé Bouti-thérapie, qui est en fait donc le Bouti-shake, hein, c'est l'art de bouger ses fesses en rythme. Et en fait, si tu veux, nous, on essaie de coller aux pratiques culturelles qui existent sur nos territoires, justement sur ces disciplines d'art coupé décalé, danses africaines urbaines actuelles. Et donc l'atelier de Maïmouna vient suite à ce constat-là. Plus que ça. Est-ce que vous êtes bien les voix? Ouais. Là, ils sont prêts. Alors, faites un maximum de bruit pour l'atelier de danse